Tu vas enfin pouvoir connaître ton papa. Oui, on va bientôt arriver. Voilà, mon petit. Ici, tu seras en sécurité. Mais enfin, pourquoi pleures-tu? Sancho est un ami, tu ne vas quand même pas avoir peur d'un crapaud. C'est peut-être parce qu'il a soif qu'il a voulu aller dans l'eau. Et si tu lui apportais du lait de coco? J'y vais tout de suite. Tico t'a apporté du lait de coco. Allez, bois, mon petit. Il ne m'a pas dit merci. En plus, il boit tout. Il est curieux, ce petit singe, je trouve pas. Eh bien, je vais l'emmener chez moi. Il apprendra bien vite à se comporter comme un vrai singe. Je te parie 10 lois de coco que Dragon ne voudra pas de ce petit singe bizarre. Oh là, je crois que je vais gagner mon pari, moi. C'était la panthère noire et tu devras toujours t'en méfier, c'est notre plus grand ennemi. Oh, quel drôle de petit singe que voilà! Il est mignon tout plein, mais qu'est-ce qu'il est froussard! Tabor fait toujours ce vacarme quand il salue quelqu'un. Il barrit quand il est content. Tabor est notre ami. Il est très rigolo, ce drôle de petit singe, mais il ressemble à personne de la jungle. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu vas faire de lui, Shena? Oh, je le prends sous ma protection. Je serai une bonne maman pour lui. Je suis drôlement impatient de voir le résultat. Je ne veux pas cette créature dans ma tribu. Ah non, hein, tu n'en veux pas, il m'appartient, alors laisse-le tranquille, c'est compris? Tu vois donc pas qui est différent de nous? Je t'interdis d'accepter cette chose dans notre clan. Oh, il n'a pas autant de poils que nous, c'est sa seule différence. Salut, petit frère. Eh bien, moi, je trouve qu'il ne marche pas comme nous, et en plus, il est très pâle. Eh ben, moi, je suis sûr qu'il apprendra très vite. Il imite tout ce qu'il voit, et Raja l'a déjà adopté. Regardez comme ils s'amusent déjà tous les deux. Il n'est pas aussi singe qu'il en a l'air. Oh, écoute, Dragan, ne sois pas aussi têtu. Ouais. Bon, très bien, j'accepte. Tu leur as voulu, mais s'il nous cause le moins de problèmes, il devra disparaître de la tribu. Tu as de la chance, mon petit. Dragan peut être très méchant, alors il faudra toujours bien lui obéir. Comment pourrait-on l'appeler, ce petit bout de singe? Qu'est-ce que vous dites de Warzan, Warzan?
Warzan, c'est joli. Tu t'appelles Warzan. Toi, c'est Warzan, d'accord? Warzan. Très bien. Tu es Warzan. Maman, maman. Et moi, je m'appelle Tabor. Il est mignon tout plein. Nous allons devenir les meilleurs amis du monde, mon petit Warzan. Allez jouer ailleurs, mes petits chéris. Ouais, et ben moi je la vois la différence, il est aussi empoté qu'un baobab. Il est même pas capable de grimper un arbre. Oh bien sûr qu'il peut grimper, il faut que quelqu'un lui montre et il le fera. Allez Radia, grimpe le premier. Allez, à ton tour Warzan. Tu appelles ça grimper? Jetons-le dehors. Hé, hey, qui veux-tu jeter de notre jungle, Dragan? Cette espèce de créature que Shena a accueillie chez nous. Il ne grimpe même pas aux arbres. Croyez-moi, ce n'est pas un singe. Warzan, viens avec moi. Hey, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, il ne survivra jamais dans la jungle. Hey. Et maintenant, tu vas sauter, mon petit Warzan. N'aie pas peur, c'est très facile. Warzan, tu ne dois pas te laisser tomber, mon petit, tu dois rebondir. Tiens, c'est pour toi, Warzan, c'est ta récompense. Warzan et Radia devinrent inséparables. Radia lui enseigna le langage des animaux et lui servait de protecteur à chaque instant. Warzan était infatigable. Il apprit très vite tout ce qu'il fallait savoir pour survivre dans la jungle. Il connaissait tous les secrets de la forêt et tous les singes l'avaient adopté. Il n'était pas aussi fort que ses amis, mais ça ne faisait rien. Car il trouvait toujours une solution pour échapper au terrible danger qu'il y avait dans la jungle. C'est compris. J'espère que vous n'avez pas encore fait de bêtises, hein? Non, t'as pas. Il me semble bien avoir entendu Kemo rugir de colère. Tu dois me dire toute la vérité, mon petit Warzan. J'ai rien fait, d'abord je jouais. Tu ne serais pas le premier singe que Kemo se mettrait sous l'écrou. Ah? Eh oui. Alors, quoi de neuf, les enfants? Comme d'habitude, Dragan et Warzan se sont encore disputés. Oh, ils rouspètent toujours après moi quand je veux faire ce que j'ai envie. Mais tu dois pourtant lui obéir. C'est lui le chef de la tribu des singes. Il est plus fort que toi. Peut-être, mais je suis plus intelligent que lui. C'est vrai. Dragan est fou de rage parce que Warzan a eu l'idée d'utiliser les lianes et pas lui. Qu'est-ce que ce sera quand il verra ce que j'ai trouvé? Allez, viens, Radia. Maintenant, c'est moi qui te protégerai. Tu viens, frangin, faut qu'on aille raconter ça à Dragan. Je comprends pas. C'est pourtant une liane tout à fait ordinaire.
Ouais, mais je suis sûre qu'on peut faire encore beaucoup de choses avec. Warzan, j'espère que tu vas pas le libérer. Mais il pleure. Tu parles, ce sont des larmes de crocodile, c'est pas des vrais. Attends un peu, drôle de singe. Un jour je te croquerai, tu verras. Écoute, tu vas me donner ton arme. Mais de quelle arme parles-tu donc? Comment ça, de quelle arme? Et de celle avec laquelle tu as pris le crocodile? Ah, je vois, mais ce n'est pas une arme, c'est seulement une simple liane. Tu me prends pour un imbécile ou quoi, hein? Non, il dit vrai. Montre-lui, Warzan. Mais donne-la-moi! Warzan, tu as très mal agi. Tout le monde s'est moqué de Dragan. Promets-moi de ne plus jamais recommencer. C'est lui le responsable. Je suis plus intelligent et plus habile que lui. Hein, Warzan? Bon, d'accord, promis, maman. Sheena et Radja veillèrent à ce que Warzan tienne sa promesse de ne plus se chamailler avec le chef de la tribu. Et s'il faisait attention de ne pas le montrer à Dragan, les singes aimaient de plus en plus le petit Warzan. De son côté, Warzan oublia l'idée qu'il était différent de ses amis. Oui, mais jusqu'au jour où, enfin, je n'en dis pas plus, regardez et vous allez comprendre. Viens, Warzan. Attends un peu, mon petit copain, tu vas voir. Warzan, fais attention! Dundee le croco a promis qu'il se vengerait! Le bébé hippopotame a dû naître. Il nous annonce peut-être la nouvelle. Hé, hey, Warzan! Mais tu devrais avoir peur! Radja! Radja! Oh, c'est pas du jeu! Maintenant, tu dois t'enfuir! Viens vite, Radja! Regarde ce qu'il y a dans l'eau! Ben, qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien du tout. Je vois que toi. Moi? Mais ça ne peut pas être moi. Bien sûr que c'est toi. Mais enfin, regarde, je ne te ressemble absolument pas. Je ne ressemble pas à ma mère ni même à Dragan. Mais tu n'as jamais ressemblé aux autres. Tu es un singe blanc et tout le monde le sait. Mais je ne veux pas être différent. Je veux vous ressembler à vous tous, moi. Oh là là, comme je te comprends. On a eu un crocodile blanc dans ma famille. Eh ben, c'était pas drôle du tout. On aurait dit un fantôme. Non, moi, je voulais pas du tout lui ressembler. Warzan, mais qu'est-ce que tu fais? Comme ça, je vous ressemblerai. Ben, ça sert à rien. Et quand la boue séchera, t'auras des démangeaisons. C'est horrible. C'est vrai? Je m'en vais, je ne reviendrai pas. Tout le monde se moquera de moi. Viens vite, Sheena. Warzan veut quitter la tribu, viens vite. Pourquoi as-tu du chagrin, mon chéri? Pourquoi je ne te ressemble pas? Je suis malade? Oh, mais non, Warzan, tu n'es pas malade. Tu es le portrait vivant de ton père. C'était un magnifique singe blanc doté d'une force extraordinaire. Mais je n'ai jamais vu de singe blanc par ici. Oh, ce n'est pas étonnant. On les voit très rarement, mais ils sont magnifiques. Mais dommage qu'on les rencontre que très rarement. J'aurais bien aimé manger un grand singe blanc. Il paraît que c'est délicieux. Et sais-tu où est mon père? Je ne sais pas du tout. Les singes blancs apparaissent et disparaissent. Et personne ne peut dire quand ils reviendront. Je reste ici alors. Je ne vous quitterai jamais.
Petit à petit, Warzan accepta l'idée qu'il était différent des autres membres de sa famille. Et avec le temps, il oublia toute cette histoire. Un beau jour, Dragan décida de ramener sa tribu vers le sud à la recherche de nourriture. De mémoire de singe, jamais l'été n'avait été aussi chaud. Il ne restait ni un coin d'herbe verte, ni de feuillage pour manger. Tous les animaux migrèrent donc vers leur territoire du sud. C'était la première fois qu'ils y retournaient depuis le jour où Shenna y avait trouvé Warzan tout bébé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Warzan, il ne faut pas rester ici. C'est un endroit maudit parce qu'un grand oiseau en flammes est tombé du ciel il y a plusieurs étés. Et il a tout brûlé en s'écrasant au sol. Et c'est ici que tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé ? Allez, calme-toi, Dragan. Je suis très calme, Shenna. Allez, on continue notre chemin. Regarde cet arbre, je n'ai jamais vu une chose pareille. Hé, Dragan ! Shenna va se mettre en colère quand elle l'apprendra. Tu devrais faire attention, c'est peut-être un piège. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que c'est ça des singes blancs ? Je leur ressemble ? Ils n'ont pas beaucoup de fourrure, mais... Je crois pas, non. Ils sont beaucoup trop petits et toi, t'es bien plus grand. Warzan, viens voir ce que j'ai trouvé! Comment t'as fait ça? C'est ça, la chose là! Je l'ai prise dans les mains et... Fais voir! Waouh! Faut y aller, Warzan! Les autres sont déjà loin! Lorsqu'il rejoignit ses amis, Warzan était tout excité par la découverte qu'il venait de faire. Il s'éloigna du groupe des singes et trouva un coin tranquille pour admirer son trésor. Il réussit à ouvrir le médaillon et à sa grande surprise, celui-ci contenait une toute petite image tout à fait semblable à celle qu'il avait vue dans le livre trouvé dans la cabane. Warzan était très ému. Warzan était trop intéressé par sa découverte pour se rendre compte que le médaillon en or brillait au soleil. Et Dragan était un singe qui n'avait pas les yeux dans sa poche. Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Donne-le-moi ! Non, c'est à moi ! Quoi ? C'est un or et tu dois m'obéir, donne-moi ça ! C'est moi le chef ! Non ! Tu vas voir ! Sauve-toi, Warzan ! Eh bien, à qui veux-tu échapper, mon petit ? À Dragan, je l'ai blessé. Je ne peux plus rentrer chez nous, il me tuera cette fois. Oh, tu es là ! Dragan est très en colère, oh là là là, il t'en veut beaucoup ! Qu'est-ce que je t'avais dit à bord ? Mais bien, ce n'est pas grave, Warzan. Je vais aller lui parler, moi, Dragan. Je sais comment je dois aborder le problème avec lui. Je l'espère pour toi ! Oh, 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 oh,
Je vais le mettre en morceaux à sa mouette, cette espèce de singe blanc à poil ras. Il va voir de quel point je me chauffe. Hein. Il ne sait pas à qui il se frotte, ce petit freluquet. Hey, Warzone est une créature particulièrement exceptionnelle. Et il est particulièrement puissant, parce qu'il est protégé par les esprits de la forêt. Tu aurais dû le comprendre depuis le temps, hein? Ouais... Et tu peux me croire, les esprits nous l'ont envoyé comme un cadeau du ciel. Et si tu lui fais du mal, eh bien les esprits t'enverront une grande punition. Je crois que Tabor a raison, Dragan. Warzan nous est envoyé par les esprits. Et les esprits ont la vengeance facile. Laissez-moi tranquille. Tu as des pouvoirs magiques, Warzan? Non, c'est Tabor qui a inventé cette histoire. Et depuis ce jour-là, Dragan se résigna à contre-cœur à ne plus jamais se disputer avec Warzan. La nouvelle se répandit dans la jungle comme une traînée de poudre. Warzan, le singe blanc, avait vaincu Dragan, le chef de la tribu. Tous les animaux de la savane avaient pour Warzan un immense respect. Il retournait souvent dans la cabane et il y passait quelquefois des journées entières à regarder tous les livres qui s'y trouvaient. Et pendant ce temps, la pauvre Raja restait toute seule. Regardez les livres. Non, ce n'était pas son genre. Et c'est ainsi que passèrent de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il y a? Dragan est mort, il vient de mourir. Dragan est mort. Allez, laissez-moi passer. Laissez-le passer. Il nous faut un nouveau roi. Warzan nous a porté chance. Je propose que Warzan soit le roi. Si vous voulez, mon humble avis, je soutiens cette excellente proposition. Oui, d'accord, oui, Warzan. Je vous avais toujours dit qu'un jour il deviendrait un vrai singe. D'abord, mon ami, tu m'aideras encore? Mais bien sûr, Warzan, tu as encore besoin qu'on te mette du plomb dans la cervelle. Crois-moi, mon garçon. Warzan, s'il te plaît, viens vite, Warzan, au secours, dépêche-toi! Dundee, mais qu'est-ce que tu fais ici? Aïe, 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 là-bas, dans le fleuve! Dans le fleuve! Si tu n'arrives même plus à parler, c'est que c'est très grave. Allez, mes amis, apportez tous les bagages par ici. Voulez-vous bien? Et... Tu vas enfin pouvoir connaître ton papa. Oui, on va bientôt arriver. Thank you.
Voilà, mon petit. Ici, tu seras en sécurité. Mais enfin, pourquoi pleures-tu? Sancho est un ami, tu ne vas quand même pas avoir peur d'un crapaud. C'est peut-être parce qu'il a soif qu'il a voulu aller dans l'eau. Et si tu lui apportais du lait de coco? J'y vais tout de suite. Professeur! Où êtes-vous, professeur Bloomsdale? Oh, sacré bon sang, mais c'est bien la fameuse Afelandras Quarrol! Oh, ici, une Apis carrieralis, à moins que ce soit une Euphorbia splendas. Oh, voyons ça de plus près. Oh, quelle sensation extraordinaire! J'imagine très bien la tête du professeur Armstrong, il sera fou de colère! Oh, oh, on dirait bien un exemplaire de la famille des primates primaires. Oui, c'est bien ça. Allez, viens, mon petit, montre-moi ce que tu sais faire. Vas-y, montre-moi, allez. Eh bien, voilà, tu vois, tout dommage. Et moi qui voulais faire ma première expérimentation. Mais de quoi tu parles, mon petit? Pourquoi ce vieux singe ne grimpe-t-il pas dans l'arbre? Il n'a pas dû entendre Kemo, c'est étrange. Oh. Mais je ne connais pas ce spécimen, c'est une belle découverte! Je ne l'ai jamais vu dans aucun dictionnaire! Oh, eh bien, je crois que je vais lui donner mon nom, la Flora Bloomingstalus! Je suis désolé, mais je n'ai pas vraiment l'impression que nous ayons déjà été présentés, très cher monsieur! Comme tout cela est étrange, il est muet et il est habillé d'une drôle de manière. Cher monsieur, j'aurais beaucoup aimé avoir une longue conversation avec vous, mais mes amis m'attendent, comprenez, j'espère. Ah, j'espère qu'il ne me comprend pas, puisque nous ne sommes pas en Angleterre, j'avais oublié. Je suis désolé de vous embêter encore avec ça, mais sauriez-vous où se trouve mon campement, très cher monsieur? Ah oui, je suis bête. Il ne me comprend pas. Do you speak Spanish? Italien ou japonais? Moi, les maisons pour dormir. Faire dodo, quoi. Oh, j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ici, vieux singe. Oh, merveilleux! Il sait parler. C'est une langue particulière. Il ne dit que trois mots, mais c'est toujours un bon début. Merci beaucoup, monsieur. J'ai vraiment été enchanté de vous avoir rencontré, mon ami. Papa, on ne peut pas te laisser deux minutes tout seul. J'étais morte d'inquiétude, enfin. Sir Stuart, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous vous rendez compte que vous chassez les éléments de mes recherches? Ne recommencez plus! Si vous vous mettez en colère, c'est signe que vous êtes en forme, cher professeur. Je vous demande seulement de ne pas créer de problème. Les gens d'ici sont très gentils. Des gens? Oui, mais où est passé ce gentleman? Oh, il est parti. J'aurais bien aimé connaître davantage ce charmant garçon. Professeur, où allons-nous maintenant? Eh bien, on verra plus tard. Pour l'instant, je suis un peu fatigué. Je vais m'allonger sous un arbre pour faire un petit somme. Attends, papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. Figure-toi que Lord Grosstec a vécu ici, dans une cabane. Oh, ça alors? Lord Grosstec? Et comment va-t-il alors? Viens voir la cabane. Alors c'est vrai ce qu'on m'a raconté, hein? Les grands singes blancs sont de retour parmi nous. C'est une bonne nouvelle. Je pense que oui, mais je ne les comprends pas. Ils parlent une autre langue que la nôtre. Dis-moi d'abord, toi qui es si vieux, que sais-tu des grands singes blancs? Mais pas grand-chose, à vrai dire, Warzan. Je n'en ai vu qu'un seul et j'ai oublié parce qu'il y a...
il y a très longtemps de cela. Et qu'est-il devenu? Eh bien, d'après moi, Kemo devrait pouvoir répondre à ta question. Ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait mangé. Oui, je les trouve bien imprudents, mais au fait... Hein? Quoi encore? La femme singe, elle est très belle, beaucoup plus belle que Shena ou que nos autres femmes. Pourquoi tu vas pas l'attraper? Moi, je me trouve beaucoup plus belle qu'elle. Allons, ne sois pas jalouse, Radja. Tabor, tu as une idée de ce qu'ils nous veulent? Alors ça, pas la moindre, mais je crois qu'on ferait mieux de disparaître. Et le lendemain... Oh, bon sang de bois! Ce journal de bord est tout à fait intéressant car il a appartenu à Lord Grosstec, qui a habité dans cette cabane. Je te l'ai déjà dit hier, papa, mais tu ne m'écoutes jamais. Est-ce que tu as lu la dernière phrase? Écoute ça. Demain sera un jour merveilleux. Demain, je reverrai enfin ma famille et je pourrai tenir mon fils dans mes bras. Oh oui, je me souviens que l'avion s'est écrasé. Oui, monsieur. L'avion qui a mené Lady Grosstec et son enfant n'est jamais arrivé à destination. Mon Dieu, si je me souviens bien, cela s'est passé il y a 18 ans à peu près. Mais ce n'est pas possible! Mais de quoi parles-tu? Juste une petite idée, mon enfant. Oh, je m'en vais travailler, hein. Mais pas tout seul. C'est très bien, les gars. Allez-y. Repérez l'endroit où boivent les éléphants. Et demain, j'aurai le plaisir de tirer mon premier éléphant. Vas-y, tu peux l'attraper. Le vieux singe s'intéresse à autre chose. Oh, un papagaius minimalus. Tête rouge et pattes bleues. Tu as bien noté, ma chérie. Mais oui, papa, pattes bleues. Oh, voici mon jeune ami. Approchez-vous donc. Je vais vous présenter ma petite fille. Voici Linda. Non, ce n'est pas la peine d'avoir peur, ma chérie. C'est un vrai gentleman. Oui, mais... Mais enfin, Linda, je ne vois pas pourquoi tu aurais peur de lui. C'est vrai qu'il aurait pu trouver une autre tenue pour se présenter devant une jeune fille. Mais tu comprendras que nous ne sommes pas ici devant le roi d'Angleterre. Warzan. Professeur Bloomsdale. Et la jeune femme que voilà, c'est Linda. Ma tendre et douce fille, Linda. Linda? Maintenant que les présentations sont faites, on pourrait continuer notre prospection. Tu m'écoutes, Linda? Allez, prends note. Ah, oh, ma Linda! Oh, grand Dieu! Je trouve que ces gens ont des coutumes extraordinaires. Oui, c'est très intéressant. Je devrais penser à écrire un livre là-dessus. Linda. Tu ne me feras aucun mal, n'est-ce pas? Tu es très belle. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Je peux regarder? Mais c'est Lord Grosstec et sa femme et leur enfant. Warzan, viens, il faut absolument montrer ce médaillon à mon père. Éloignez-vous, Miss Bloomsdale! Non, ne tirez pas! Éloignez-vous, Miss Bloomsdale, c'est un sauvage! Oui, non! Oh, ma chérie, tu es là! Alors, est-ce que tu t'es bien amusée avec ton nouvel ami? Papa, regarde! Sapristi! Oh, tu vois, mon enfant, je m'attendais un peu à ça! Il y a une certaine ressemblance avec Lord Grosstec et ce jeune homme que nous avons devant nous, ce monsieur Warzan, tu ne trouves pas, ma chérie? Regarde-le bien! Moi, je pense qu'il pourrait bien être le fils de Lord Grosstec. Tu le penses vraiment? Mais oui! Un bon coiffeur, un bon costume bien coupé! Eh oui, pourquoi pas? Oui, c'est possible, il aurait pu être Lord s'il avait grandi chez nous. C'est exact! Mais maintenant, c'est un vrai sauvage! Reviens, Warzan, on a tous besoin de toi. Tu es notre chef et tu ne peux pas rester tout le temps avec ces grands singes blancs. Reviens avec nous! N'aie pas peur, Radja, je ne vous ai pas oublié. Oh, il a établi une communication verbale avec les primates.
Cet homme est un génie, il connaît le langage des animaux. Ah bah ça alors, il va falloir qu'il me l'enseigne. Je vois déjà le titre de mon livre, Voyage dans le langage des animaux par le professeur Bloomsdale. Le professeur Armstrong en mourra de jalousie, c'est certain. Il a grandi dans le jungle, ce ne sera jamais un lord. Mais le professeur Bloomsdale et sa fille étaient fascinés par Warzan et Warzan était tombé fou amoureux de la belle Linda. Ils passaient toute leur journée ensemble et Warzan leur apprenait le langage des animaux. Et comme Warzan était très intelligent, il retenait tous les mots que le professeur traduisait. C'est ainsi qu'au bout de quelques semaines, nos amis purent se comprendre parfaitement. Et j'ai bien l'impression que Linda était elle aussi tombée amoureuse de Warzan dès leur première rencontre. Mais tout n'allait pas si bien que ça. Un soir, lorsqu'il quitta Linda pour rentrer chez lui, voici ce qui arriva. Eh bien, qu'y a-t-il ? Pourquoi es-tu si triste ? Raja m'a raconté que tu passais plus de temps avec la fille du vieux singe blanc qu'avec elle. Voilà pourquoi j'ai l'air si triste. Mais Linda est très belle et nous sommes de la même famille de singes blancs. Tu nous appartiens. Ne te laisse pas tourner la tête. C'est déjà fait. Il ne s'intéresse même plus à nous. Il est perdu. Qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont venus à notre rencontre et moi, je voudrais savoir ce qu'ils veulent. Moi, je crois qu'ils sont venus le reprendre après toutes ces années. Je ne le laisserai pas faire. Je suis sa mère. C'est grâce à moi qu'il est devenu ce qu'il est. Je ne le laisserai pas partir. Oh, Linda, écoute bien ça. Aujourd'hui, ma femme m'a écrit que mon petit garçon s'était brûlé avec la flamme d'une bougie. Et il gardera malheureusement la trace de cette brûlure sur le pouce toute sa vie. Ce serait une preuve. Eh oui, nous allons demander à Monsieur Warzan de bien vouloir nous montrer sa main. Bon, et s'il se trouve par hasard que ce garçon est vraiment le fils de Lord Grosstaek, il ne faudra surtout pas le ramener en Angleterre. Et pourquoi donc ? Il est bon et intelligent ? Je voudrais qu'on l'emmène avec nous. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il te plaît beaucoup ? Comme je te comprends, Linda ! Je ne suis pas d'accord avec vous, professeur. Ce Warzan n'est pas civilisé. Il n'y a rien à faire. C'est un sauvage. À mon commandement ! Où allez-vous, Monsieur Stuart ? À la chasse à l'éléphant ! Venez, mon cher, venez nous rejoindre ! Mon cher monsieur Warzan, j'aurais une petite vérification à faire. Auriez-vous l'extrême gentillesse de me montrer votre pouce, s'il vous plaît ? Regarde, papa, la marque de la brûlure, c'est bien lui ! Oh, grand Dieu, Lord Grosstaek ! C'est pour moi un très grand honneur. De Lord Grosstaek et les photographies du médaillon sont celles de ton père et de ta mère. Mais c'est impossible, je n'ai qu'une mère, c'est Shayna. Oh non, je suis désolé de vous dire cela, monsieur Warzan, mais Shayna vous a recueilli et adopté, c'est vrai. Mais elle n'est pas votre mère. Tu appartiens à la famille Grosstaek en Angleterre et si tu veux venir avec nous, on ne sera plus jamais séparés. Mais on pourrait rester ici, ensemble. Oh, ben, vous ne vous rendez pas du tout compte, monsieur Warzan. N'oubliez jamais que vous êtes un comte. Oui, et Linda, ma chère enfant, eh bien, c'est mon héritière. Oh, dis oui, Warzan. Viens en Angleterre. À l'aide ! Au secours, Warzan ! Warzan, j'en étais sûre. Les singes blancs, vite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont tué notre vieux Tabor. Le singe blanc a tué Tabor. Viens vite ! Warzan ! Oh non, pas Tabor. Oh non. Mais pourquoi les
singes blancs ont-ils tué notre vieux Tabor? Pour ses défenses, Jenna. Ils l'ont tué pour lui voler ses belles défenses. Que dites-vous, mon cher professeur, de ces exemplaires magnifiques? Ces défenses doivent venir d'un très vieil éléphant. Oh, eh bien, j'ai l'impression que notre ami est très en colère. Non, Warzan, je t'en supplie, laisse-lui la vie sauve. Il a tué Tabor, et Tabor était mon ami. Je vous l'avais dit et je vous le redis, c'est une bête sauvage. Nous en reparlerons plus tard, Sir Stark. Ce n'est pas le moment. Et n'oubliez pas que toutes les bêtes sauvages sont derrière Warzan. Vous comprenez, Sir Stark, que dans une situation pareille, ce sont les plus intelligents qui s'en vont. Alors, partons. Miss Bloomsdale, on ne peut pas attendre plus longtemps. Impossible, Linda. Je n'irai pas en Angleterre. J'appartiens à cette terre et à ma famille. Et si je reste avec toi? Le professeur Bloomsdale ne comprit pas vraiment pourquoi Linda tenait autant à rester auprès de Warzan. Mais avec le temps, il oublia de se poser la question. Il passait toutes ses journées à écrire son livre et à faire de grandes découvertes parmi les plantes et les insectes inconnus. Un an passa et tous les animaux adoraient Linda et ils en firent leur reine. Le mauvais souvenir de Sir Stuart était oublié. Warzan et Linda étaient très heureux. Et Shayna aussi. Mais savez-vous pourquoi? Tu vas enfin pouvoir connaître ton papa. Oui, on va bientôt arriver. Ha ha ha!